Le 24 heures de Tremblant était de retour encore une fois cette année et a pris son envol avec les premières traces. Pour l'occasion, des enfants qui sont bien malgré eux des modèles de persévérance et de courage ont sorti leur ski pour prendre une bonne bouffée d'air et une bonne bouffée d'espoir. Pour l'occasion, 12 enfants parrainés par des personnalités publiques ont dévalé les pentes. Dès que j'ai appris que j'avais un cancer, pour moi, c'était pas réel. C'était juste un mauvais cauchemar et j'allais me réveiller, tout allait être normal. Félix tombait malade à l'âge d'un mois. Et après plusieurs hospitalisations, visites à l'hôpital, on a commencé à être suivis en hémato-onco. Durant cette journée sous le signe des festivités, ces enfants confrontés à des défis hors du commun ont pu tout simplement être des enfants. Ça me fait du bien de bien sortir puis que je vois des personnes skier pour nous puis pour moi, pour qu'ils ramassent de l'argent pour nous aussi. Moi, je suis là pour faire des high-fives à Félix. That's it. Je pense que ça permet à ces familles-là de sortir un peu de leur isolement parce que les traitements, c'est pas toujours évident. Et ici, c'est la fête aujourd'hui. C'est la fête pour eux. La 23e édition du défi sportif a fracassé un record en amassant plus de 6 millions de dollars. Ces fonds contribueront à améliorer la santé mentale et physique des enfants par l'entremise de fondations, dont celle de Charles Bruno. En 2023, on a fait de très grands progrès au niveau de la recherche qui permet à plus d'enfants de survivre du cancer. Alors, on est passé de 30 % dans le temps de Charles, on est rendu à 80 % aujourd'hui, mais 80 % là... En 2023, le cancer demeure chez les enfants la première cause de maladie mortelle. Il n'y a pas d'autre maladie qui tue plus les enfants encore que le cancer. Après 4 ans de recherche en immuno, ils ont trouvé l'anomalie pour Félix et un médicament qui pouvait le traiter, pas le guérir, mais le traiter pour le reste de sa vie. L'appel à la générosité des plus de 4000 participants à l'événement a été entendu par près de 50 000 donateurs. Ça représente le don de soi. On a une équipe, nous, ici. On est 24 participants, 12 skieurs, 12 marcheurs. Très tôt dans leur parcours, ces enfants, tout comme leur famille, doivent faire preuve de résilience. J'avais pas compris, mais dès que j'ai commencé à m'en rendre compte de tout ce qui m'attendait et ce qui allait m'arriver, ben, j'ai juste accepté, en fait. Je dis souvent, les enfants ont cette naïveté, cette grande volonté de guérir et ils croient en leur rêve. Et nous, tout ce qu'on a à faire, c'est de les supporter dans leur rêve. Oui, c'est bon. Oh, encore. Sarah Lou est maintenant en rémission et apprécie pleinement l'instant présent. Je me suis rendu compte que chaque opportunité qu'on peut sortir et tout, c'est vraiment précieux parce que tu as des enfants là qui sont à l'hôpital, qui reçoivent des traitements et qui ne peuvent pas sortir et qui se diraient juste le fait d'aller à l'école que c'est vraiment... c'est juste une bénédiction en fait. Tu retrouves tes amis, tu as une vie sociale et tout. Encore une fois cette année, le 24 heures Tremblant a permis d'insuffler une bonne dose d'espoir et de courage, un don à la fois.